Alors, Shabi Barat, c'est la nuit que Allah, subhanahu wa ta'ala, libère ban djumoun qui ne commet ban péché et je suppose qu'il y a une punition. Allah, subhanahu wa ta'ala, pardonne ban la, si ça ban djumoun la, je repentir. Et normalement, selon ban, ban tradition du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il appelle hadith, ça, la nuit là, c'est 15e nuit de Shaban. Et parmi les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam in cause là, il dit que ça la nuit là, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait sa bénédiction spéciale l'oban habitant de la terre et lui pardonne tout ban du monde excepté certaines catégories du monde. Parmi là-dedans, nous gagnons du monde qui est en rancune au fond des soleils. Ou bien un du monde qui est impliqué dans l'affaire la drogue ou bien ce qu'ils nous appellent intoxication. Ou bien un du monde qui commet crime à condition qu'il soit un du monde là, de te faire tauba, de te repentir sincèrement. Alors ça, la nuit là, c'est 15e nuit de Shaban, il commençait à partir Maghrib, c'est-à-dire coucher de soleil, et il y a jusqu'à lendemain grand matin, toute la nuit, c'est la nuit bénie. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.